واللي هو معناه جو تروف تري ما عرفش كي نعمل تطلع الكوركسيون ولا ما زلت ما شفته حاولتوا تخدموا موا ولا ايه لقيتوا دي ديفيكولتي ولا سافا في الكالكول تاع الكونفوليسيون مادام انا حاولت وما عرفتش معناتها بالحق شكون اخر لا يسيه مادام جوست ان فيت لي انتغرال كي نبدا هكا ساعات نضيع خاطر الكونديسيون مثلا نتاع الدو ولا حاجه لانتغرال il faut faire des graphiques c'est très très utile le graph qui خليك alors où est-ce que je suis là مادام اي تم زاد في تقسيم لي بورن نتاع الانتغرال هيك في مشكل زاد ساعات ما نجمش نفرق وقتاش نقسم وقتاش لا معناتها Ben, on va refaire cet exemple-là ensemble. Là. C'est bon, rien de commun. Calculer le produit de convolution des deux signaux suivants. Ben, le premier signal, non. X de t, c'est un signal porte. Léo a marqué à. Bon, on inerce la partie, mais il est nul. Il vaut 0, maintenant de moins l'infini à 0. On part, la largeur de la porte, c'est de 0 à 2, et il est d'amplitude 2. D'accord? Ou H de t, c'est aussi une porte décalée, donc type de la largeur en terre à moins 0 à 1, où ça vaut l'amplitude de 3. Donc je vais faire le produit de convolution de ces deux signaux. Awal haja normal, j'écris ma formule. Donc, y de t, ma variable, c'est t, d'accord? Ou derrière l'intégrale, c'est le décalage que je vais faire. Donc, c'est tôt, d'accord? Ben, ensuite, donc, bon, le produit de convolution, c'est une intégrale, c'est l'air qui se trouve sous la courbe x de tôt et h de t moins tôt, donc, qui ne coule mantahouni. C'est l'air qui se trouve entre le produit par x de taux ou h de t moins taux, d'accord? Alors, ben, donc, je fixe, je choisis une des deux qui va rester x de taux, qui va rester fixe, et c'est h qui va se translater sur l'axe moins l'infini plus l'infini. Donc, on va représenter h de t moins taux. Donc, je représente h de taux, donc il y a h de taux, h de moins tôt, c'est une inversion par rapport à l'axe des ordonnées, d'accord? Donc, juste un effet miroir à l'axe des ordonnées. On parle h de t moins tôt. Donc, c'est h de t moins tôt qui va se translater sur tout l'axe moins l'infini plus l'infini. Alors, ça correspond à t égale à 0. Donc, on roule h de moins tôt, on a une t égale à 0. D'accord? Donc, l'idée, c'est. Donc, on a dit le borne, c'est t moins 1. Quand on a dit min 0, 1, qui toile l'éléné h de moins tôt, c'est moins 1, 0. D'accord? Moins 1, 0. Le borne, c'est t moins 1. Quand on a la largeur de la porte, toujours 1. Donc, on a dit la largeur de la borne, la porte, c'est t moins 1, t. Il y a la largeur, c'est 1. Huni, dans le cas ici, c'est t égal à 0. On part de chouf les différents cas. Huni, t négatif. T négatif, donc le courbe de t. Alors, huni, juste, il faut faire attention. Qui est d'arrondir l'axe des abscisses maqloub. On est h de t moins tôt. Il y a ibara à la h de moins tôt moins t. D'accord? Yani. ناش كيفاش نفسرها لكم اما لك انت معني كي نقول اش انت تقول لهنا سي موان تو بلس تي معني كاين عندي اش دو موان تو بلس تي فهمت دونك تي لهنا نيجاتيف باش توخر التي و تي بوزيتيف باش تقدم الكورب elle va se translater vers la droite tout simplement دونك اذا كان حطيت انت لي كاد فيغور هذوما الكل Tu as posé l'h de t moins tôt avec les différents cas possibles. Wakta, c'est bon. Tu as fait la moitié du travail. Il suffit de représenter x de tôt et de voir quand est-ce que les deux courbes se chevauchent, quand est-ce qu'ils ne se chevauchent pas. Wakta, ça va changer. Quels sont les cas de figure?
D'accord? Donc, en fait, donc, il y a x de taux ou il y a h de t moins taux. Et je vais voir les différents cas de figure. Donc, le premier cas de figure qui est inférieur à 0. Donc, il y a le cas limite t égale à 0. Les deux courbes ne se chevauchent pas, donc le produit de convolution est nul. Alors, ensuite, t commence à être positif. Et attention, il est inférieur à 2. D'accord? Elle est inférieure à 2. Donc, c'est le cas ici. Donc, le chevauchement, je vais dire, une erreur, l'intégrale, les bornes non nulles, ou même 0 à tel t. D'accord? Mais le cas, c'est une barre. Le porte, l'H, se trouve le collifiouste, l'X, mané. Donc, l'intégrale mt, elle va de t moins 1 à t. D'accord? C'est le deuxième cas de figure. Ensuite, le troisième cas, voilà, c'est lorsque une partie, manette, la partie l'eau, l'H de taux, majoude à fiouste, se chevauche à x, ou la partie l'eau. Donc, l'intégrale mt, il t'imchi de t moins 1 à tel 2. Et le quatrième cas de figure qui est complètement maintenant. D'accord? Et dans ce cas-là, la borne, c'est t moins 1, en fait, qui est supérieure à 2. Une condition entière. C'est la borne inférieure. La borne inférieure, elle est supérieure à la borne supérieure en tal x de taux. D'accord? T moins 1, la borne inférieure de h, elle est supérieure à la borne extérieure de la borne supérieure de x. Dans ce cas-là, ma ici le chevauchement et le produit de convolution t, il s'annule. Donc, il faut poser les cas et d'alcool, les translations et les cas de où les deux courbes où c'est différent d'une façon différente. Donc, une fois que tu as fait les figures alcool ou les translations, tu as posé les bornes, c'est bon, c'est juste un calcul d'intégrale. Alors, est-ce que vous avez compris, voilà, Naudo? Madame. Madame, لو كان جينا مدام في ال لو كان جت الإكس x مدام الانترفال متاعها من موان لامبلي من موان لامبلي بس لامبلي معناه ما عندش مثلا من زيرو لدو شنو نعمل؟ إذا كان معناها سا شانج با يعني تقعد ديما نفس مثلا هذه باش تولي الانتيغرال دو تي موان زان ا تي وخاطر دون تو لي كا سي تي موان زان ا تي كيلكو سوا لا بوزيسيون سا شانج با معناها اللي كي تبدا هي معناها مثلا تو الفونكسيون فاريابل مادام من الانترفال الانترفال كل مره مش تاخذ فورم معين اكس هذه تحكي على اكس هاي نحكي على اكس مش على هاش اي يلزمك تشوف لي كات فيغور الكل اللي باش تعطيك حاجه ديفيرونت مير ديفيرونت هكا هاو مي اذا كان الكورب نتاعي هذه الاكس دو تو مثلا ما نعرفش يعني اللي با من موان انفيني ا زيرو اللي نون نول دونك سي وقتها باش تعمل لانتيك معناتها tu vas مثلا ماش جو بو سيبوزون عندي ان كورب هكا ماشي هكا مثلا دونك من موان انفيني كيل كو سوا البوزيسيون نتاع التي باش تكون الانتيغرال ديما من تي موان زال تي دو اكس دو تو دو لا فالور دو اكس دو تو كيس كيل فو هذيك فوا مثلا هوني اش دو تو ال فو 1 دونك باش تحسب اون انتيغرال الفايده في لي بورن فهمتوا من بعد عندك لو برودوي نتاع اكس فوا اش Qu'est-ce qu'elle vaut x في الانترفال هذاك وكيس كيل فو h في الانترفال هذاك مدام والانترفال هذا هو الانترسيكسيون ما بين لي دو كورب سي لا او سي الانترسيكسيون فوالا سي الانترسيكسيون وي مي مدام واضح دكاغ دونك اون ريبران هوني وخلي واحدة فيكس والأخرى يفو تخوفي كما قلت لكم جوس لي بورن نتاعها دونك هذه الديمارش هذه اللي تري امبورطونت دونك هوني في الزيرو ديما معناها نشوف لي بورن نتاعي هما تي موان زان تي خاطر باش تكون لارجور نتاعي هي 1 دونك في الكا هذي اللي هو تي ايكال ا زيرو كاني عندي لهنا موان زان زيرو من بعد باش نوخر والا باش نقدم على البوزيسيون هذي بوزيسيون معناها تي ايكال ا زيرو سي لا بوزيسيون Ça, soit je vais avancer, soit je vais... Donc, il y a quand même une rarité, parce qu'on est négatif, là, qui est là, ou quand même une rarité positive. Mais tu as dit, ma t moins 1, t.
ومن بعد سا ديبون مع كومون ال فاس شيفوشي افيك اكس دونك كيما هنا 0 فماش واحد من بعد لهنا في الكا هذايا تي ديما يزيني نشوف البورن انفيريور والبورن سوبيريور معناها هوني باغ اكزومبل كيس كي شانج معناها خاطر الانتيغرال لهنا سورا دو 0 ا تي دونك باش الانتيغرال تكون دو 0 ا تي يفو كو تي موان 1 تكون انفيريور ا 0 دونك الكونديسيون على تي موان 1 فهمتوا تي موان 1 هذه خاطر اذا كان بالتي موان 1 باش تفوت الزيرو باش ندخل في الكا الثاني ما عادش في الكا سا سرا ان اوتر كا مي الكا هذا اللي هو ما عندي هوني لير سي جوست انتر 0 اي تو تي خاطر اكس دو تو الفو 0 دو موان انفيني 0 لا كونديسيون تاعي على تي موان 1 il faut que تي موان 1 تكون انفيريور ا 0 دونك سكي va me donner que تي est inférieur à 1 مع تي بوزيتيف مدام شبي الانتجرال الاول من موان انفيني بلس انفيني على خاطر سي لا فورمول وبلا خاطر انت معناتها هو نورمالمون دو موان انفيني ا زيرو ا زيرو عاد مش بلس انفيني اي هذه سي لا فورمول وبلا اي ما تقلقش اي معناتها سي ولا ديجا ما يتلقاوش زيرو ما يتلقاوش دونك زيرو وي على خاطر ما تنجمش تحط كونديسيون على معناها عندك اش اكس دو تو تمشي من الموان انفيني من الموان انفيني الزيرو اللي نول اكس لي بورن صحاح يعني من الموان انفيني بلس انفيني يعني سي مدام مطالبين مدام في كل كالكول مدام نعملوا كل كام تاعها نعملوا الرسم نتاعها ولا انت باش تعمل لا انت في الاخر عندك اون سول فونكسيون y دو تي دونك باش تلمها بار مورسو من بعد On va voir là. Voilà. Maintenant, nous sommes la fonction l'écranie. Eh, voilà. C'est la fonction l'écranie. À chaque intervalle, elle vaut 0 pour t inférieur à 0. Lorsque t est comprise entre 0 et 1, c'est 6t. On barre 6 constante. On barre de moins 6t plus 20. C'est voilà. Tu représentes. On barre, c'est une fonction y de t. En fonction de t. D'accord? Alors, ben, on va passer l'exemple de la TD. Donc, je suis indi, indi x de t égale à gamma t et h de t égale exponentielle moins at fois gamma t. D'accord? Ben, alors. Donc, je commence par représenter... x de t, on est à gamma u. On écrit cette formule. Bon, à titre u, خاطر التو معناتها c'est plus اسهل في الكتابة que باش ما تدخلش بعضها في ال... Donc ma variable de translation هي ال u لهنا. Alors donc ax de u h de t moins u. Donc j'ai choisi de laisser x le fixe, le gamma معناها et de faire varier le h. Donc, j'ai représenté gamma de U et ensuite j'ai représenté H de U. Donc, ça, il faut le faire. Hein. Tu représentes H de U exponentielle moins AU gamma U. Ensuite, H de moins U, voilà, donc ça correspond à T égale à 0. C'est H de T moins U avec T égale à 0. Ben. Ensuite, bon, à titre superposé, j'ai représenté x de u mt, le fixe, et ensuite le h de t moins u. Ben, les quatre figures, là, soit je trouve t négatif, et donc h de t moins u, je trouve sur cet intervalle-là, hâte limite mt jusqu'à là. D'accord? Donc, l'air, il n'y a pas de chevauchement entre h de t moins u et gamma de u, donc y de t égale à 0. Le deuxième cas de figure, c'est l'ortilité est positif. Ça y est, hop, d'achlet, ce matin à partir de là. Ou tibda wintimesh, t est positif. Dans ce cas-là, le chevauchement, bichesir, rendi le gamma u, tibda m 0, tibda non nul à partir de 0, ou hedia, elle est nulle à partir de t. Donc l'intégrale mt, j'toi les 2 0 à t. Exponentielle h de u, h de t moins u, exponentielle a moins a. Fois t moins u du. Donc je remplace h de t moins u par son expression, exponentielle moins a de t moins u. Et je calcule mon intégrale.
كرم عنديش دوتر كات فيغور يا با دوتر كا كيل كو سوا هوني تي باش تكون ديما هكا لا كورف دونك سي توجور دو زيرو خاطر هذه هي با ميم سي هي تان فير زيرو مي سي با زيرو زيرو دونك ديما الديبي نتاعي باش يكون هو زيرو خاطر الاكس دو يو هي نون نول ا بارتير دو زيرو والاش دو تي موان يو هي نول ا بارتير دو تي دونك لانتيغرال نتاعي سيرا توجور زيرو تي كيل كو سوا تي نتاعي كيل با سو ديبلاسي سور لاكس زيرو بلس انفيني. Et donc, je calcule l'intégrale de t, voilà, donc c'est 1 sur a fois 1 moins exponentielle moins at, et je représente y de t mt. De 0 à plus, de moins l'infini à 0, elle vaut 0, et de 0 à plus l'infini, c'est 1 moins exponentielle moins at, donc c'est quelque chose qui tend vers 1 sur a, et donc ça donne cette allure-là. C'est bon? Qui a une question? Madame, en fait, je n'ai pas fait de 0, je n'ai pas 0 le t, mais 0 le plus l'infini. Tu es en train de balayer le courbe, donc avec un h, 0 le t, la khater, le h de t moins u, elle est nulle à partir de t. Elle vaut 0, Hedeya. H de t moins u. Elle est égale à 0 si t est supérieur à 0. La variable, c'est u. Hein. Ça, c'est u. Mm-hmm. L'axe, c'est des u. Lorsque u est supérieur à t, h de t moins u est égal à 0. Elle est nulle, là. Femme-t'a. Donc, 1 fois 0, ça donne 0. Donc, l'intégrale, il y aura non nul à partir de 0. Parce que ici, ça va donner quelque chose de nul, égal à 0. Il y a U, ça le fera, c'est U. D'accord? En fait, ce qu'il faut faire, c'est représenter H de moins U et ensuite faire balayer et il y a au cas où. Et ça correspond à T égal à 0. Donc tout ce qui sera ici, c'est T inférieur à 0 et tout ce qui sera après, c'est T égal à supérieur à 0. C'est tout. Après, vous avez les cas de figure. On en est une fois, tu ouvres le cas aidé, un des deux cas carreau. Et MAT négatif et MAT positif. Ben, on va passer à l'exemple suivant. Alors, x égale exponentielle x de t hein, égale exponentielle moins at gamma t et h de t égale à exponentielle at gamma de moins t. Donc, kiff, je fais de même, exactement la même chose. Alors, donc, j'écris ma formule. Je représente x de u et h de u. C'est-à-dire h de u. En fait, h de u, c'est x de moins u. Exponentielle moins at gamma t, ou alors exponentielle at gamma de moins t. Mais, ensuite, h de moins u. Voilà, h de moins u, c'est l'effet miroir de h de u. Pour t égale à 0. C'est-à-dire le bord, c'est t égale à 0. Donc, il y a quelque chose qui est là, ça sera t inférieur à 0. Ça sera t supérieur à 0. Donc, je superpose mes deux courbes, x de u, avec le h de t moins u pour t inférieur à 0 et h de t moins u pour t supérieur à 0. D'accord? Ben, alors, allez, ça donne des bornes différentes. À la khatr, il y a qu'un t négatif. L'air, ça sera fois h de t moins u, le khadra fois x de u. Ça va donner, en fait, x de u, ça va annuler tout ce qui est moins l'infini 0. Donc, je peux chercher les 0 plus l'infini. Zoz, il tend vers 0. Et donc, c'est 0 plus l'infini. Alors que, le t positif, le courbe, le hamra, il dit qu'il n'a pas fait le courbe, le kahla, h de t moins u est nul pour u inférieur à t. Donc, ça veut dire que l'intégrale mt à h, je vais 0, mais elle va commencer à partir de t, jusqu'à le plus l'infini. Voilà, ça y est, une fois amalt les bornes mt, voilà, t inférieur à 0, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini, n'est-ce pas l'intégrale mt.
Voilà, نلقاها exponentielle AT sur 2A fait T positif supérieur ou égal. Hein. C'est l'intégrale de TA plus l'infini. D'accord, je n'ai pas d'amène houni jusque là. Je regarde ce qui est non nul. Qui n'a pas le hamra fait le kahla. C'est l'air maneta, ça sera en fait qui est comprise entre houni mané à partir de T l'année. Et donc l'intégrale T est éliminée à T plus l'infini. Et donc ça va donner exponentielle moins AT sur 2A. Wahda exponentielle AT, wahda exponentielle moins 2 moins AT. Et donc, quand je représente, c'est une fonction paire. D'accord? Et en 0, ça vaut 1 sur 2A. Oui? C'est ma fique. Hein? Tu peux parler un peu plus haut? يسر ضعيف الصوت شكون عليه ايا فازي اكتب في الشات نقرا من الكتاب مادام قلت لك ما فهمتش علاش من الزيرو للتي يعني علاش ما عملناش من الزيرو للتي علاش ما عملناش من الزيرو للتي ها باش نقول لك علاش على خاطر شوف الكور بالحمراء الفو زيرو لهنا Elle est nulle. Hatta le t, hatta le u égale à t. Donc, elle est u inférieur à t, elle est nulle. Donc, elle va annuler, le produit sera nul, z. Donc, on va intégrer à partir de l'orté, ça commence l'air yarti haja non nul. Donc, c'est à partir de t. D'accord? Femta. Hatta la courbe en rouge, elle est nulle jusqu'à u égale à t. Là, c'est très facile, vraiment, avec les figures. Ou alors on peut le faire même les gamma ou quelque chose avec juste les intégrales. Mais avec les figures, c'est beaucoup plus simple. Merci, madame. Oui. Madame, il y a un arbre H de U ou X de T moins U, dit la neuf résultat. Bien sûr. Il est le produit de convolution, il est commutatif. Alors, même pas, on veut faire le produit de convolution, et là c'est la fonction x de t. Il faut toujours qu'il y ait comme signal, il faut le représenter. Hein, d'accord ? Hatta qu'il me colle comme je trace, il faut le tracer. Ça, c'est. Ça vous aide énormément. Donc, x de t, c'est le signal qui vaut 1 entre 0 et 1, et 0 sinon. Donc, tracer le signal, donc je commence par tracer, c'est la fonction porte qui n'est pas centrée en 0, qui est décalée de 1. Voilà, qui vaut 1 entre 0 et 1, et 0 sinon. Alors, c'est un signal continu à support temporel borné. Et des supports temporels MTAO, c'est entre 0 et 1. Il est non périodique, bien sûr, et il est d'énergie finie. Donc, l'énergie, c'est l'air qui, quand je lève au carré, il est 1, 3, 1, donc au carré, ça va donner la même chose. Et donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction UDU, voilà, T dt. Et donc, ça vaut 1. Oui. Madame, tu as la définition de ta signal, qu'on a défini 0 à 1, KO. Hein? Qui fait, Mané? L'air, ou 0 sinon. 0 sinon. Je vais vous donner un interval sur 0. Je vais vous donner un question 2. On considère le signal qui est défini sur 0, 1 fermé. Et que sur 0, 1, Zayda, tu as l'air. Tu as dit, en quel exercice? L'exercice 2, le nord de mon fils, tu as dit. Hey, Manta, hey, dit. Hey. ما فهمتش الديفينيسيون معناها كيف قريت الكيستيون ما فهمتهاش فهمتي ديفيني سور 0 1 با اي اي بون اي بالحق لا لا زايده هذه نو نو الي ديفيني سور موان لانفيني بلس لانفيني فوالا معناتها سوبور تمبوريل نتاعو سي 0 1 اي عندك حق
هي خاطر هاكا 0 سينون دونك دو موان لانفيني ا 0 يفو 0 اي دو 1 بلس لانفيني يفو 0 دونك سي تان سينيال ميرسي لا دونك اي دي انرجي فيني دونك اي دو بويسونس نيو مدام بربي سامحني مدام تو بربي في لي زيكزامبل اللي فاتوا الكل كان معناها منعرفش ما نجمتش مثلا نصور كور في دوفوار ولا فاس اسكو فما ميثود ماتيماتيك معناها باش نحل الحكايه معناها باغ اكزومبل انا كيفاش خممت نقول فنعمل دي زينيغاليتي وقتاش بوزيتيف وقتاش صفر فهمت تيموانتو ولا فازاكيك اسكو توصل نحكي على الكالكول دو كونفوليسيون اي نحكي على الكالكول. يوصل بيان سور نعمل الجرافيك احنا من غير ما بالغرافيك باغ اكزومبل لهنا معناتها بون tu peux aller plus loin لهنا moins l'infini plus l'infini x de u donc tu remplaces x de u par son expression donc c'est exponentiel moins a u gamma u ou h de t moins u c'est exponentiel a t moins u gamma de moins t moins u d'accord بعد la première chose que tu peux faire c'est enlever gamma u ou tu vois l'intégrale نتاعك من 0 le plus l'infini d'accord donc هذيك اول حاجه tu remplaces exponentiellement at par son expression exponentiellement at moins u tu قعد لك juste gamma هذه il y a de moins de moins t de moins t moins u et dit mais c'est que je في لي بون هكا فهمت وقت اللي تي نيجاتيف وقت اللي تي ما يتوصلك حتى هي il suffit que tu عرف ولا tu peux représenter juste gamma de t de moins t moins u معناها هذيك هي اللي باش تبدل لك لي بون فهمت مادام حتى بشانجمون دو فاريابل تنجم توصل زيد نجم اما لي كا دو فيغور سورتو كي تبدا كيما ليكزامبل كيما ليكزامبل نتاع كيما ليكزامبل هذا لي كات فيغور الكل صعيب باش تلقاهم وحدك من غير بالانتغرال هكا فوت تراسي لي فيغور باش شفت هذا قداش فيه 6 كا معناها 5 كا سي تري ديفيسيل بالانتغرال هكا باش وحدك تي ترون كونت دو تو لي انترفال معناها جرافيكمون سي بوكو بوكو بلوز اكسبليسيت معرفش كان vous êtes d'accord ولا باش تلقى ليك ديفيرونت كا هذوما الكل جوست افيك لانتيغرال سا مي سامبل با سي ايفيدون نجم تزاب ان انترفال منهم alors que par la figure il suffit de faire translater هذيا تشوف لي ديفيرونت كا دو فيغور بوسيبل وكا هاو دونك ظهري باش تكون مره هنا مره اشترها في النيجاتيف واشترها في البوزيتيف مره الكل لهنا ومره اشترها في الانترفال هذا واشترها لي ومن بعد تخرج كومبليتمون دونك سي معناتها بالغرافيك سي بوكو بلو فاسيل ا فوار لي سورتو لي ديفيرونت كا كي تبدا كيما الكا نتاع ليكزارسيس نتاع ليكزارسيس هذايا باغ اكزومبل جوست دو كا اوكي فهمت هوني سي بون بالجامعه تي موان او تبدل لي بورن و تتعمل شانجمون مي Donc c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire les deux pour être sûr que vous ne trompez pas. Ben, tawa, on veut calculer le produit de convolution de x de u fois x de u. Ben, t'as de x de u, moins x de u, produit de convolution, t'as cette fonction-là. D'accord? Alors, donc c'est x de u, x de t moins u, du. Donc je vais représenter x de moins u. D'accord, donc je fais un effet miroir sur x de u, je t'ai ni ou ni moins 1, 0. D'accord? Et que je vais convoluer ma x de u. Donc, on a les différents cas. Bon, je ne sais pas si vous voyez les couleurs, mais de rouge, pas mais voilà. Andy, x de u, elle est là. Hein? Elle est fixe, elle est là. Donc, Andy, le premier cas. Donc, l'année. C'est ça que je vais faire translater, surtout l'axe moins l'infini plus l'infini. Donc, l'exemple que je fais, ça sera t moins 1 t. C'est t égal à 0. Le cas, ça correspond à t égal à 0. Donc, quand je vais translater les bornes mt, ça sera toujours de t moins 1 à t. De manière à ce que la largeur de la porte de mt est 3 égale à 1. D'accord? Donc, quand translater Hedia de t, ça sera unité moins 1 ou Hedia sera t. Donc le premier cas MTI Hedia lorsque t est inférieur à 0.
Donc, je suis sur cet intervalle-là. Hâte à la limite, la courbe m'taille, elle est là. Dans ce cas-là, le produit de convolution, il est nul. Alors, hâte, il n'y a pas de chevauchement entre ça, cette porte-là, et la porte X de U qui est là. Alors, ensuite, donc, je translate le RDA, X de T moins U, et elle se trouve là. Donc, où ni les conditions T riches non moins. T, zimhat koun, inférieur à 1. D'accord ? Donc, T inférieur à 1, ou T, bien sûr, où ni wallet positif, match, fait le cas T négatif. Donc, ce qui donne que T est dans l'intervalle 0, 1. Et je calcule mon intégrale, donc c'est l'intégrale de 1 fois 1, donc c'est T, tout simplement. Y de T, elle vaut T. D'accord ? Alors, le deuxième cas, non ? Le troisième cas, plutôt. T moins 1 inférieur à 1. Voilà. Troisième cas, T moins 1, t'coune inférieur à 1. D'accord, donc je suis dans la courbe rouge. Donc, les conditions T, je n'ai pas T moins 1. Il y a une borne inférieure et t'coune inférieur, la borne supérieure, on a X de U. Donc, T moins 1 inférieur à 1. Donc, T moins 1 inférieur à 1, on a T inférieur à 2. Mais la borne, on a le cas, le bar de l'IO, T supérieur à 1. D'accord. Donc, je ne suis plus dans ce cas-là. Donc, T, elle est supérieure à 1. Et T moins 1, elle est inférieure à 1. Donc, ce qui fait que T, elle est comprise entre 1 et 2. Wakta, je me trouve dans le cas de figure rouge et vert. Et donc, les bornes MTI, ça sera quoi? Quelles sont les bornes de l'intégrale? Le troisième cas. Je vais intégrer de quoi? T moins 1, 1. Voilà, c'est la partie, l'air rouge et d'ailleurs qui est en ligne. Donc, c'est je vais intégrer de T moins 1 à 1. Allez, à la khatr, min 1 le plus l'infini, c'est X de U qui vaut 0. Ou min 0, hâte T moins 1, c'est H et c'est X de T moins 0. Donc, je garde les non-nuls, garde les qu'il y a l'intervalle T moins 1 à 1. Et donc, ça va me donner 2 moins T. D'accord. Le quatrième cas, وقت اللي الكورب نتاعي ça y est تخرج ما عادش فما chevauchement et donc c'est quoi la condition شنو هي باش نلقاها كيفاش égal 0 inférieur à 1 la condition t moins 1 inférieur à 1 voilà t moins 1 هذه بعد ما كانت هوني inférieur à 1 donc كانت عندي l'air هذه توا t moins 1 باش تخرج من هوني. Donc, ma chambre chevauchement mal 1, donc les conditions T est T moins 1 supérieur à 1, ce qui va donner que T est supérieur à 2. Et donc, la convolution T est égale à 0. Je trace maintenant ma courbe. 2 moins l'infini à 0, ça vaut 0. 2, 0 à 1, ma fonction, elle vaut T. Donc, c'est T, c'est la fonction T. Donc, fait le 1, je dis la valeur 1. Et de 1 à 2, ça vaut 2 moins t. 2 moins t, donc ça veut dire que c'est ce bout-là de droite. Donc, l'IO a fait le 1, il vaut 1. Ou fait 0, il vaut 2. On met 2 plus l'infini, elle vaut 0. Donc, c'est la fonction triangle. Madame? C'est la fonction, oui. Le produit de convolution de deux signaux port, dis-moi triangle. Dis-moi triangle. OK. Quand j'ai triangle MTA est centré, là j'ai triangle MTA, quand j'ai le porte MTA est centré, là j'ai triangle MTA est centré. On y allait décaler, à la fin le porte MTA allait décaler, tu me suis mis 0 là. D'accord, donc c'est un résultat à connaître qui m'a transformé de Fourier par la fonction porte sinus cardinal. Convolution par le porte avec une porte, c'est la fonction triangle. D'accord. Donc, si on a une expression T, c'est la fonction triangle, où on met la largeur, de largeur 2, où on met le triangle de T, mais est centré fait 0, elle est décalée de 1, donc c'est le triangle de T moins 1. Elle est centrée fait 1. D'accord? C'est bon, comment le produit de convolution? Est-ce que vous êtes capable maintenant de calculer un produit de convolution? شكون يحس روحه باقي مش فاهم برودوي دو كونفولوشن
Voilà, il faut se mettre à l'exercice, en fait. Il faut... il faut que tu essayes de calculer est-ce que tu as compris ou non. C'est bon, on peut passer ou aller? Tardez, les séries de Fourier? Oui. Oui. Alors, qui a déjà calculé le signal, la décomposition en série de Fourier du premier signal? Je connais ce programme là dans un partage et le résultat. Il aura un bonus de plus 1. Hein? Personne? Qui a calculé? Qui a tracé le signal B? Madame, les questions pour l'exercice les tableaux. بعد ما نعملو برودوي دو كونفولوسيون كل شيء سينيال دو سورتي نرسموه ولا بيان سور بيان سور داكور ميرسي كلم معناتها لي بارتي نتاع لي انترفال الكل وبعد كده تو لو ريبريزونت مدام شيجينا سينيال بورت ولا لا تريانكل علاش تريونكل؟ شكون يتكلم؟ انا مدام رانيا. كنت معنا رانيا ولا؟ Tu as suivi les étapes ولا؟ اي مدام في التي انا مرة سور 4 تي مرة تي مرة دو تي دو موان تي وفي البقية إلي نول دونك تي موان دو موان تي دونك تي هي سو بتي بو لا سي لا فونكسيون تي Et là, c'est 2 moins t. Madame, tu as dit l'exercice l'autre, dans le Fourier. Ah, tu as dit le Fourier. Oui. Khatran, j'ai dit qu'il a tracé. Ah oui, oui, c'est le train d'impulsion rectangulaire. Oui. Mais c'est bien, tu as dit qu'il a tracé. Tu as dit déjà. Donc, c'est un signal périodique de période t où sur une période, il vaut A. Si t est entre moins t sur 4 et t sur 4 et 0 sinon. Donc, si je trace mon signal, je commence par le tracer sur la période centrale. Ça, on refait période. Donc, il y a période l'oule de moins t à t. Il vaut moins t sur 4 à t sur 4. D'accord? Et ensuite, donc, je reproduis le schéma T sur le manta quelques périodes. Alors, donc, ma décomposition en série de Fourier, je peux utiliser la forme trigonométrique. Pourquoi? Parce que je remarque que mon signal, il est pair. Donc, s'il est pair, ça veut dire que c'est les BN qui sont venus. Et donc, on dit juste les coefficients AN à calculer. D'accord? Donc, j'applique ma formule, je calcule déjà le A0, qui est la moyenne d'un signal MT. D'accord? Donc, c'est l'intégrale sur la période de X de T de T. Et donc, ça va donner l'intégrale de moins T sur 4 à T sur 4 de A dT. D'accord? Donc, je t'artigne A sur 2. Voilà. Ensuite, je calcule les coefficients AN. Donc, Rouni, Andy, de 2 sur T, l'intégrale, dis-moi l'intégrale NT, et ça sera de moins T sur 4 à T sur 4, à mata sur le reste, et ça vaut 0. A, cosinus N de pi T sur grand T dT. Bon, l'idée, c'est le sens, l'intégration. C'est dans ce sens-là, ou le dérivé, c'est dans ce sens-là. Donc, on y a un dit intégration, ça veut dire que on est l'intégrale d'un cosinus, y a sinus. Donc, je calcule l'intégrale MT. D'accord?
Et donc, ça me donne l'intégrale ta sinus de pi n t sur grand t entre moins t sur 4 et t sur 4. Donc, je remplace ici. Voilà. Et donc, ça me donne 2a sur pi n sinus de pi n sur 2. Je peux faire apparaître le... Madame, je peux faire... Oui. Mmh. Sinus cardinal, hein, qui... On a pi n sur 2 ou 2 sur pi n, Radi. G. Toi, les A sinus cardinal de pi n sur 2. Alors, juste, il faut faire attention qu'il trouve le sinus cardinal. G, pour n égale à 1. G, c'est sinus cardinal, oui, tu as raison. Sinus cardinal de pi n sur 2. Donc, on peut écrire sinus cardinal de pi n sur 2. Alors, juste, c'est le cas, c'est bon. C'est le cardinal, oui. C'est ça. Madame, allez, pour n égale à 1, j, t'as ma déca, ma j, je fais à 0. Elle est le sinus cardinal de 0, il y a 1. Je pensais, il est intégré, et il y a le cosinus. Maintenant, toi, les sommes, tu es dans 0. Comme ça. Ok, d'accord. Mais il y a un A sur 4 l'année, donc je ne sais pas si tu as la somme de n égale à 0. Ça va donner sinus cardinal 2 fois sinus cardinal 2A, sinus cardinal de 0, maintenant 1, alors qu'il y a un A sur 4. Mais tu peux écrire n égale à 1, sinus cardinal de pi n sur 2. Le K égale à 0, il est traité là. D'ailleurs, quand tu as fait le forme et on l'a représenté, fait le cours, c'est sinus cardinal. Quand tu fais que les. C'est la forme sinus cardinal. Allez, je vais te dire mal porte, sinus cardinal. Le signal il est, c'est des impulsions rectangulaires. Et donc, il faut s'attendre à trouver des sinus, la forme d'un sinus cardinal fait la série de Fourier. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Madame, tu as un père, voilà. Allez, m'intégrer niche, mais zéro, le T sur 2. T'as drap fois 2, tu peux ouais. Tu peux faire ça aussi. D'accord. Tu vas trouver la même chose. Il y a normalement de moins t sur 2 à t sur 2. Hein. Donc on intègre de moins t sur 2 à t sur 2. Mais toi, les ouellettes de moins t sur 4 à t sur 4, ça t'a rendu nul qu'un entre moins t sur 4 et t sur 4. Kiff, on est moins t sur 4 à t sur 4. Alors, ben, le deuxième signal, donc c'est un signal qui est périodique de période 2π et qui vaut sur une période x de t égale à t. D'accord ? Donc, Madame ? Oui, il y a un asmafique. Fait le A0, alismus 2 sur t. C'est la formule. بعد انت باش تقسمها تحكي على A0 هي لا موين نتاع البلوك دونك سي 1 sur t. Vous pouvez par exemple نتوما تعاودوها avec calcul بالforme exponentielle par exemple. L'ECN, donc exponentielle. Vous pourrez trouver la même chose. Alors, c'est l'exemple de le TP. Donc, c'est un signal en dents de scie, ça me dit. Il est impair, donc c'est les 1n qui sont nuls, et donc je peux aussi utiliser la forme trigonométrique
en calculant uniquement les coefficients Bn. Donc, j'écris la formule des Bn, donc c'est 2 sur t, l'intégrale sur la période de x de t, sinus de pi nt sur grand t dt. Je remplace t par la période de pi, donc ça va donner uni 2 sur 2 pi, donc c'est 1 sur pi, et l'intégrale de moins pi à pi de x de t, donc uni, je remplace t par 2 pi, donc ça va simplifier 2 pi sur 2 pi, pour parler uniquement sinus de nt dt. D'accord? Alors, pour faire cette intégrale, qu'est-ce qu'il faut faire? X de t est égal à t. Hein? Donc, je remplace x de t par t. Voilà, donc c'est ça les Bn. Comment on peut calculer cette intégrale? Qui fait que je n'ai pas fois sinus de nt dt? Intégration par partie. Voilà, donc il faut faire une intégration par partie. Donc je fais une intégration par partie. Je prends u de t égale à t, v prime de t égale sinus de nt, donc ça va donner u prime de t égale à 1 et v de t égale à moins 1 sur n fois cosinus nt. Donc je fais les choses proprement, voilà la formule d'intégration par partie. Et il suffit de l'appliquer, voilà, donc c'est u de t fois v de t entre les bornes a et b, moins l'intégrale de u'v. Et ça va me donner donc 1 sur pi, l'intégrale de moins t, cosinus de 1t sur n, entre moins pi et pi, plus 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, de cosinus 1t sur n dt. Madame, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit c'est l'intégrale de moins t sur 4 à t sur 4 de la valeur a. Et je divise par la période t. Donc, ça va donner a sur t. De moins t sur 4 à t sur 4, ça va donner t sur 2. T sur 2 avec le t. Donc, c'est a sur 2. Madame, madame, a0, a1, toi, les 2 sur t, l'intégrale ta a dt. نعم مش تفرق مادام في الأ1 مادام في الإكسبريسيون أ1 نجيو نحسبوا الأ0 ونعوضوا مادام مش يجي عبارة 2 أ0 من الإكسبريسيون معناها من الأ0 فهمتني مادام مش نحكي يظهر لي عندك الـ A اللوطة في الديناميناتور دونك ما تنجمش تعوض ليه عوض في الان في الكوسينوس معناها في اول ستار مش نحكي عن بعض عوض في اول ستار هي 2 سور تي لانتيغرال نتاع ا دي تي alors que في الاولانيه ا 0 1 سور تي لانتيغرال نتاع ا دي تي معناها فوا فما فوا 2 عندك كوسينوس هي كوسينوس 0 فهمتني مادام تقصد ال ا 0 ناقصها 2 سور تي بالضبط وفي الاخرى ان سور تي اي في هذيك اكسبريسيون واضحه مدام اما نحن كي نطلعوا الا0 نطلعوا من الاكسبريسيون تاع ا1 هذا واش قالت لينا ليه كي تبدا ما هيش ديفيني تحسبها وحدها يا ايلاش اي تحسبها عوضها في الاكسبريسيون تاع الكوسينوس ما ريفيت كي خدمنا قالت لينا ما تعوضوهاش من معناها ما تحسبوش لا0 وحدها تحسبوها ابارتي من ا1 هكا قالت لينا في الاكزرسيس 1 كحسب من ذاك سي انت عندك ان في الدينوميناتور ما تنجمش تحسبها ا0 يا أميرة نحكي عوضها في الإكسبريسيون الأولى مش نوصلنا للإنتجراسيون. إيه تولي تنتجري من زيرو لبي سير كاتر مش من بي سير كاتر لبي سير كاتر. فوالا كلامك صحيح أما جوست الإنتجرال ترد من زيرو لتي سير كاتر باش تخرج الضوء. خاطر الإنتجرال هيك في الـ أن من زيرو للتي. أما إحنا نتجريو كي انتجرينا لـ زيرو من الأول انتجريناها من موان تي سير كاتر لتي سير كاتر على خاطر الفونكسيون تاعنا بير. فهمت. موان تي سير دو اوكي ما ركزتش على لي بورن نتاع الانتجرال
Les bornes de l'intégrale, ça ne change absolument rien. Que tu intègres de moins t sur 2 à t sur 2, ou à la même 0 à t, ça donne la même chose. Ça va donner la même chose. C'est-à-dire que tu choisis la période de t'abaler, que ce soit de 0 à t ou de moins t sur 2 à t sur 2, tu dois trouver le même résultat. Mais le A0, c'est la moyenne. معناها انت هوني كي تحسب الا ان لهنا باش تلقى الا زيرو معناها اذا كنت تحسبها بالفورمول هذه باش تلقى ايغال ا هكا بالضبط مدام هذيك كما ايغال ا دونك هوني تولي معناتها الفورمول هذه ما لهاش نون سي مدام بالا زيرو بالفورمول نتاع الزيرو تطلع حاجه وبالفورمول نتاع ان تطلع حاجه اخرى معناها ما بيناتهم نقص مع اثنين هذيك علاش تخلي ما دام نحن لنا الازيرون والو نحسبوها بالاكسبريسيون هذيك لا 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 عندك حق خاطر سي ا 0 سور 2 كي هي لا موين دو بلوك نانا عندك حق لا موين دو دو سينيال دونك سي ا 0 سور 2 كي دوات اتر ايغال ا ا سور 2 جو دو فيريفيي خاطر عندك حق سواء هوني نحطو لهنا ا 0 ونهنا نحطو جوج دو سواء نحطو دو لهنا ونهنا نحطو دو tu as raison en fait مدام بلي كي قلت لي بورن ما يبدلو حتى شيء اما احنا في الـ ان ننتجريهم من الزيرو للتي مي tu peux intégrer de moins t sur 2 à t sur 2 اي تولي تتنحى دو تولي 1 sur 1 sur t بيريود راهي معناها بيريوديك ما تفرقش ما يفرقش حتى شيء خاطر انت quand tu vas intégrer هوني je vais intégrer de moins t sur 2 à t sur 2 ليه ما دونك شو قعد لي moins t sur 4 خاطر تولي مادام جوج دو في الا زيرو احنا كي حسبنا اي نخرجوا احنا ما خرجناش دو ليه عندك حق سي ا زيرو سور 2 كي لا موين نتاع السينيال وهوني لا موين نتاع السينيال هي ا سور 2 C'est la fonction constante, ou A sur 2, c'est la moyenne de ta signal. D'accord? Donc, il y a soit tu as A0 sur 2, tu as 2, soit tu as A0 sur 2, ou tu as 2. Je dois vérifier, mais tu as raison. Madame, en fait, A0, c'est 0, ou c'est 0, c'est A0 sur 2. Donc, tu as A0, c'est 0. سي ا 0 ا 0 لهنا جو عندها حق سي دو اتر ان 2 لهنا اي من بعد كي نعملوها سور 2 باش تعطي ا سور 2 لهنا خاطر سي ا سور 2 كي هي لا موين نتاع السينيال هوني لا موين نتاع السينيال هي ا سور 2 سي كلير يا با دو سي ا سور 2 لا موين نتاع السينيال خاطر كون تو في سا لا سوم تاع هيدا مع هيدا دونك سا فا دوني ا سور 2 دونك هيدا هي الكل ايغال ا سور 2 دونك سا فيدير كو لو ا 0 ايغال ا tu as raison c'est vrai. Donc, ça doit être un 2, l'hné. Khatel Fama, il y a des conventions, les saratiques, vous l'hné à 0, kahao. Ou donc, ou ni mes retouches qui m'amènent à l'hné, ils font pas de. C'est à 0, la moyenne du bloc. Ou Fama, donc ça crée des confusions. D'accord? Mais à 0 sur 2, Hedil Kolli, c'est le Hedeya, c'est la moyenne, m'ta signal, c'est la compagnie du signal. Les hiya fait le. D'accord? Donc, A0 est égal à A, ou A0 sur 2 est égal à A sur 2. Donc, vous corrigez. Femme-toi. Donc, normalement, c'est bon. On va laisser la convention A0 sur 2. Khatrahatine a fait cours A0 sur 2. Et donc, A0, c'est 2 sur T, l'intégrale de X de T dt. Hein. D'accord? Donc, on y a A sur 2, c'est non pas A sur 4. Bien. Alors, donc, c'est bon. On peut continuer avec l'exemple idéal. Donc, ça, on a l'intégration par partie. Donc, on y a c'est U de T fois V de T. Donc, ça va donner T fois moins 1 sur N cosinus 1T. Moi, le moins aidé, ça va donner un plus. L'intégrale de 1 fois 1 sur n cosinus nt. D'accord? Donc, c'est moins 1
moins t sur n cosinus 1t plus l'intégrale de 1 sur n cosinus 1t. Voilà. Moins t cosinus 1t plus 1 sur la période, donc 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi de cosinus 1t sur n. Alors, c'est un signal qui est pair, cosinus 1t, où je l'intègre de moins pi à pi, donc ça va donner 0. Là, je m'accasse à l'intervalle de moins pi à 0, tati cosinus 1t, ou de 0 à moins pi, on a un changement de variable, donc cosinus moins 1t, puis tati 0. D'accord? Alors, donc, alors ici, il faut faire très très attention quand tu remplaces t par le pi. Ça va beaucoup de moins. Donc, le moins, on a l'intégration. D'accord? On va dire moins t. Donc, moins t, je l'applique à moins pi, puis t'as plus pi. Vous n'y rendez cosinus de moins 1 pi. Donc, moins pi cosinus 1 pi, moins pi cosinus moins 1 pi. Comme le cosinus, il est pair, donc il est un âge de cosinus 1 pi. Et donc, ça va donner deux fois la même chose. Donc, deux fois pi cosinus de 1 pi. Le moins 1, le moins de khaltaroun. Alors, cosinus n pi, c'est moins 1 à la puissance n. Moins le moins aidé. Ça va donner soit n moins 1 ou n plus 1. Donc, c'est 2 sur n moins la puissance n moins 1. Chati dit mahaja, on y a qu'un n pair, tati haja, mané tati moins 1, qu'un n pair, tati moins 1, voilà, qu'un n impair, tati 1. Donc, mara 1, mara moins 1. J'aurais écrit l'expression de mon signal x de t, donc c'est la somme par les bn fois sinus de nt. D'accord? C'est bon? Donc, il y a déjà, c'était montré que x de t est égal à 2, la somme de moins 1 à la puissance n moins 1. Bon, c'est des signaux, Maneha, il s'est mis aux adresses visuelles. Pardon? Qui a parlé? Madame, le micro est en train de se faire. Je me suis collé, je me suis collé. Est-ce que vous avez des questions? Qui a compris, qui n'a pas compris? Madame. في اخر سطر علاش موان زان بويسونس ان موان زان مش بويسونس ان كهو ما كتكتش باه ان بي قداش كوسينوس ان بي موان زان قداه موان زان بويسونس ان موان زان بويسونس ان خاطر تنجم تكون كوسينوس بي هي موان زان كوسينوس دو بي 1 كوسينوس 3 بي موان زان دونك سا ديبون من ان بير ولا ان بير
كوسينوس ان بي هي موانزا على بيسونس ان وعندي موان البرة دونك ندخلها في وسط الواحد ونحي موانزا منه دونك جنليف ان ولا جو راجوت دونك ان موانزا ولا ان بلس ان سي لا ميم شوز Bon, on a un peu de temps. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Madame? Madame, je ne sais pas si je fais un peu de temps pour l'énergie ou la puissance. À quel bord de moi l'infini plus l'infini? T'es des loul. Juste exemple, le واحد, Oui, oui, bien sûr. Hein. Merci, Aïchka. Madame? Oui. Rabi, samahni, à propos de l'énergie, Andy Souil, il y a quelle fonction périodique, l'énergie m'teha infinie? Oui. علاش على خاطرها تتعاود اون انفينيتي دو طون دونك لير باش يجي كبير برشا فوالا اكزاكتومون سي كلكو شوز كي سي ريبيت على انفيني باهي ميرسي بوكو دو ريان اي دونك بور لي سينيو بيريوديك سو كان كالكول سي لينيرجي سور اون بيريود اللي هي نسميوها بويسونس معناها مي سي لينيرجي سور اون بيريود سي ان سور تي لانتيغرال سور لا بيريود لو مودول دو x دو t او كاري دي t Bien, alors, c'est l'exercice 2. Rien comme le partage de la tnaha. Allez, tnaha. Madame, je trouve que je تحب تشوف الكالكول دينرجي اوكي باه دونك اون افي في لي دي كات لي كات اكزامبل كي اون كي معناتها سي اون ا جيسيي دو فاريي معناتها لو تيب دو سينيو دونك لو بروميير سينيال سي غاما تي اكسبونونسييل موان ا تي alors donc on l'a représenté donc la première chose dit m'a tracé le signal Déjà, rien que qu'en le traçant, vous pouvez savoir s'il est d'énergie finie ou l'infini. Alors. Bon, je ne l'ai pas tracé. On l'a tracé, fait les questions à l'herbal. Exponentielle moins AT. X de T, exponentielle moins AT. Bon, il s'appelle Heda. Juste Heda et gamma de T moins 1, en fait. Mais c'est ce signal-là, juste type d'AM0. Hein. D'accord, donc ce signal en rouge, il est d'énergie. Et voilà, fini. Fini, normalement. Voilà, fini, en régime transitoire, donc il est d'énergie finie. Alors, donc pour calculer son énergie, c'est très simple. Donc j'applique la formule MT, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, le module de x de t au carré dt. Donc, je l'enlève au carré. Donc, déjà, gamma de t, Mouni, qu'est-ce que je fais? J'enlève gamma de t, Mouni, j'intègre mon 0 le plus l'infini. Il y a Aoul Haj. Ensuite, Hédé au carré. Donc, c'est quelque chose de positif. Donc, Nahid, les valeurs absolues. Ou Hadid, juste au carré, c'est moins 2 at, que j'intègre de 0 à plus l'infini. Fil plus l'infini, puis t'artini 0. Donc, c'est un signal qui tend vers 0 en plus l'infini. Et fait 0, puis chertine est donc moins 1 sur 2a, donc 1 sur 2a, exponentielle 0, il y a 1, donc ça va donner 1 sur 2a. Alors, qui est le signal d'énergie finie? Directement, j'ai déduit la puissance, puissance nulle. Et d'ailleurs, énergie finie égale puissance nulle, donc il faut c'est un résultat, vous pouvez l'utiliser. Alors, signal fini, c'est un signal qui est périodique de période 1 sur f. Alors, je ne l'ai pas représenté, mais c'est un signal cosinus, donc cosinus de période 1 sur F0. Alors, donc, l'expression de l'énergie, il est d'énergie infinie, donc l'expression de la puissance, c'est 1 sur la période, l'intégrale sur une période. L'année, tu choisis la période de Tabarlé, soit de 0 à T, ou elle a de moins T sur 2 à T sur 2. Hein, donc, c'est comme vous voulez, c'est le même résultat. Le module de A.
pi f0t au carré dt. Alors, je remplace t par sa valeur, liée f0, sur, 1 sur f0, pardon. Donc, il y a f0, fois f0, 1 sur t, f0. Et j'intègre de moins 1 sur 2 f0, 1 sur 2 f0, 1 cosinus au carré. Donc, on y, j'ai utilisé la formule trigonométrique cosinus carré, liée cos carré de a, liée 1 plus cos 2a sur 2. D'accord ? Voilà. Et ensuite, halit l'intégrale mta, et donc on dit 1 demi kharaj tout lehna. On dit l'intégrale mta 1 plus l'intégrale ta cosinus 4pi f0t. D'accord ? Voilà, donc VDF startini 1 sur 2f0 moins, moins, moins 1 sur 2f0, donc startini plus, donc 1 sur f0. Ou lehna, on dit donc l'intégrale ta cosinus ya sinus. D'accord 1 sur 4 pi f0 que j'intègre de moins 1 sur 2 f0 à 1 sur 2 f0. D'accord. Alors, donc, on y sinus 1 sur 2 f0, je t'assigne sinus de 4 de 2 pi t, est égal à 0. Ou kif kif, moins 1 sur 2 f0, je t'assigne sinus moins 2 pi t, est égal à 0. Donc, tout ça, ça va donner 0. Je vais vous dire que a carré fois f0 sur 2 fois 1 sur f0. Donc, je simplifie par f0, donc on dit a carré sur 2. Donc, la puissance de le signal est a carré sur 2. C'est bon? Donc, c'est juste un peu plus juste l'exemple, c'est bon. Merci. Ben, juste l'exemple, c'est un exemple d'un calcul de puissance. J'ai fait 1 sur t, mais la puissance, c'est juste l'intégrale, donc ni plus l'infini, énergie infinie. Qui est de l'énergie infinie, ils ont l'énergie de la puissance. Mais je me trouve une puissance finie, et maintenant je me trouve infinie. Donc je dois calculer la puissance. Le signal MT, il est non périodique. Donc l'expression de la puissance, c'est l'expression HD. Alors c'est quoi cette expression-là? C'est je choisis un intervalle de temps t. D'accord? Que je vais tendre barde à l'infini. Donc, je vais les puissances MTI en fonction de T. Et après, ce que je trouve, je vais trouver quelque chose qui dépend de T. T, c'est une constante. C'est ma période, ma valeur. Je vais aller à variable. C'est une variable T. Je vais l'expression 1 sur T, l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2. Ma période, il faut faire très attention. Hein. Ce n'est pas la période. Signal MT, il est non périodique. Et c'est un intervalle de temps. T est une valeur que je choisis. Donc, je n'ai en fonction de T. En bas, je fais juste ce que je trouve. Je fais tendre le T vers l'infini. On chauffe le résultat MT. Est-ce qu'il tend vers quelque chose de fini ou là, il tend vers l'infini? Donc, je vais remplacer donc, le gamma T. Elle va annuler la partie négative. Donc, l'intégrale fera de moins T sur 2. Ou elle est de 0, elle est sur 2, on a fait le gamma. On a fait le t carré. D'accord? Ensuite, donc, on dit t au cube sur 3 que je vais intégrer min 0 à t sur 2. Donc, je t'attends t au cube sur 3 fois 8, donc sur 24. Et là, quand je fais unité, je simplifie l'unité, les indicateurs, l'unité au carré, le four. Quand je vais tendre t vers l'un plus infini, ça va donner quelque chose qui tend vers l'infini. Et donc, il est de puissance infinie. Voilà. Donc, peut-être le seul qui peut poser un problème, ou le cas de la puissance, le signal non périodique, il est d'énergie infinie. Il est mutable de puissance. Tu vas calculer quelque chose en fonction d'une variable t, et que tu vas tendre vers l'infini. D'accord ? Tu trouves le résultat de t, tout simplement. Alors, il y a la forme de signal et T gamma de T, c'est le signal Haka. Ça, on l'a représenté. C'est ce signal-là qui tend vers l'infini. Voilà, c'est le rouge. T gamma T, c'est quelque chose qui tend vers l'infini. Donc, il y a quand même un intervalle de temps T. Donc, moins T à T. D'accord, je vais calculer l'intégrale de moins T à T de la partie l'élernée au carré.
Et ensuite, je fais tendre le borne hadik vers l'infini. On chouf signal nti l'énergie est il tend vers l'infini, donc ça va donner une aire infinie. Alors que KNG en régime transitoire, qui tend vers zéro, et quand je fais tendreté vers l'infini. D'accord. Et le cas, c'est le calcul de l'énergie, la fonction porte, donc c'est l'intégrale de l'intervalle de la porte, de moins t sur 2 à t sur 2, où il y a l'amplitude. Pour le cas aider l'amplitude 1, donc ça va donner juste l'air qui fait le porte, il y a T. Donc il est d'énergie finie, de puissance nulle. Il faut, le traitement de signal, il faut faire beaucoup d'exercices. Hein. Il faut s'entraîner, faire des calculs d'intégrale, les mecs qu'on a à l'aise. Peut-être tout le monde a déjà fait le maths, vous êtes en train de faire des exercices. Mais voilà, il faut avoir l'habitude, Mania. Voilà. Madame, oui. Madame, l'impulsion du Dirac, fait T différent du 0 à 0, ou la T égale à 0 plus l'infini. Qui a l'intégrale, mais le moins l'infini, plus l'infini, l'impulsion, linéaire 1. On l'a pas calculé. C'est une propriété. C'est une propriété. Madame, ma qui fait madame, bizarre. C'est pas une fonction à la catégorie delta distribution. Femme quoi. On arrive qu'un plateau fait le matinal distribution du Dirac. Les madame. Plateau Richard. هي اللي زيت في ماتينيال خاطر سي با اون فونكسيون معناتها انت كي تقول اي حاجه فونكسيون كي فو مال كي فون لانفيني وتعمل الانتغرال نتاعها باش تلقى انفيني هي سي با اون فونكسيون سي اون ديستريبيوشن اوكي فهمت donc il faut prendre c'est une propriété il faut la prendre voilà c'est un signal qui vaut 0 en dehors de 0 et qui vaut l'infini en fait 0 et d'intégrale 1 l'intégrale unité c'est tout. Ou quand tu intègres l'intégrale de delta t fois f de t égale f de 0. Il faut l'apprendre, c'est une propriété. Madame, les propriétés de l'impulsion de Dirac, il faut les connaître. Madame, l'intégrale moins l'infini plus l'infini, tu as l'impulsion, on va la double période, tu as l'IT moins tout, tu as l'impulsion. Tu as l'impulsion. Hey, okay. Juste pour vérifier. Ouais. Ok, merci. Madame, dans le cours, on a fait l'énergie, on a somme des puissances. On a fait trois formules. À part les deux formules, les terminées, on a fait l'exercice. On a fait formule qui est venue, on a la somme. Oui, avec le. كي حسبنا لي سيري دو فوريير لي كوفيسيون لا قبل يمكن في الاول سيونس عملناها وقتها لا ما عملناش سوم في الاول سيونس اون ا با في دو سوم عملنا كان خاطر عملنا في سيري دو فوريير في سيري دو فوريير عملنا البارسيفال لينيرجي اللي هي اي سو كونسيرف في الدومين تمبوريل و سو كونسيرف في الدومين فريكونسييل كوم لي سي ان سي دي كومبلكس c'est des discrets, pardon. Donc, c'est une somme et non pas une intégrale. C'est la somme, l'énergie, dans les séries de la représentation fréquentielle d'un signal périodique, c'est la somme de Cn au carré. Mais sinon, c'est le signal interne, des signaux continus. Donc, si c'est des signaux continus, c'est des intégrales. Ah, et l'énergie, donc ça, c'est l'énergie. Les caches, non, non. La puissance moyenne qui est un signal non périodique. Donc, ça, c'est l'expression de la puissance. Ah, il dit 1 sur 2t. L'intégrale de moins t à t. Allez, 1 sur 2t. Attends, on y a un dit 2 fois t. Ensuite, fait le cas signal périodique. Fait le cas signal périodique, on dit expression par la puissance. Allez, tout simplement. Ça, j'ai pas de somme. Non, pas de somme. Non. Et dès qu'a fait série de Fourier, c'est Parseval. Le théorème de Parseval,
l'énergie, elle se conserve, que ce soit fait domaine temporel ou elle fait domaine fréquentiel, je dois trouver la même quantité d'énergie. Donc, puisque les CN, c'est des discrets qui dépendent de N appartenant à Z, donc pour calculer l'énergie fait domaine fréquentiel, c'est une somme. Voilà, ça doit être les propriétés par les CN. Voilà, c'est là. Ouais. C'est ça? Qui est-ce que nous avons les puissances? Qui est-ce que nous avons le signal MTI continu? C'est une intégrale. Qui est-ce que nous avons belle CN, c'est une somme de 10 CN au carré. De N, 4 N discret. Kif, qui est un signal non périodique. Donc, je calcule sa représentation en fait domaine. Je calcule sa représentation fréquentielle avec la transformée de Fourier. La conservation d'énergie. Donc, je peux calculer l'énergie soit dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel. Donc, c'est l'intégrale. Voilà, c'est ça. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, le module de x de f au carré df. Donc, je peux la calculer soit dans le domaine temporel, soit dans le domaine fréquentiel. L'énergie se conserve. Bon, la notion de corrélation. On va faire un exercice sur la corrélation. On va donc la transformée de Fourier des signaux non périodiques. Hein. Et ça, on va les voir lundi. Entre-temps, vous pouvez vous faire des exercices. Et, on est à la séance prochaine. On peut la faire comme une révision. Les rendez de Hajj à exercice, très normal. Faut jouer le Hajj à casser. Donc, essayez de travailler. Attends, madame, le DS, c'est d'aller pour le temps. Aïe. Je vais le mettre. On a tout comme quelques documents. C'est bon. D'accord? Donc, si vous avez si vous n'avez pas de questions, on peut arrêter. Il y a un MTP, donc ça sera lâché à 14h, inchallah.